Alors aujourd'hui, on est en plein cœur d'Armentières, sur la Grande Place, sur la place du Général de Gaulle. Et on va aller visiter un appartement T4 situé dans cet immeuble. Je vous montre un petit peu les environs. Vous avez beaucoup de commerces de proximité, pas mal de commerces de bouche. C'est très sympa. C'est idéalement situé. Là, je vous propose de découvrir sans plus attendre l'appartement. Alors vous avez vu dans ce bois qui est juste en bas, notamment une friterie juste à côté aussi. Enfin, comme je l'ai dit, il y a pas mal de commerces. Alors c'est un immeuble qui est sécurisé. On a un vigique pour rentrer. Voilà, il y a des travaux qui sont en train de passer. Et donc nous, on va aller prendre l'escalier direction le deuxième étage. Je vous dis à tout de suite. Voilà, on est au deuxième étage. Je voulais vous montrer du coup l'escalier. L'escalier est sur l'extérieur. Il y a une partie intérieure qu'on a vue tout à l'heure, une partie extérieure. Donc ça donne sur l'intérieur. C'est assez sympa. Vous pouvez voir, on a vraiment la brique apparente qui est très sympa. Bon, allez, on va visiter ça. Hein. Alors on arrive directement dans une petite entrée. Alors malheureusement, on n'a pas d'électricité. Je vais vous éclairer avec mon flash, mais c'est très clair. Voilà, on arrive dans une petite entrée. On va voir, du coup, c'est en duplex, hein, donc on a dès cette entrée l'accès à l'étage. Mais nous, on va commencer avec le séjour, hein, la pièce principale. Bon, vous avez vu, hein, on a une vue imprenable sur la grande place d'Armentières. Notre agence se situe juste ici. Je vais vous montrer, c'est très beau. Vous voyez, on a vraiment de l'espace, ça s'entend, il y a un peu d'écho dans ma voix. Au sol, on a un beau parquet. Il me semble que c'est du stratifié. Et au niveau des murs, on a une couleur très claire, contemporaine. C'est vraiment chouette. Côté cuisine, eh ben, ce qu'on va apprécier, c'est tous les rangements. Donc voilà, on a des grands casseroliers. On a un évier double. Alors, on va pas avoir de four ni de frigo. Hein, mais ça, par contre, vous avez vraiment une multitude de rangements. C'est vraiment super. Hein, des grands... Un tiroir. On a une hotte également. Et ce qui est bien, c'est que c'est ouvert sur le séjour. Ça, c'est vraiment top. Je vous montre un peu le séjour aussi de l'autre sens. Là, vous avez plusieurs possibilités d'aménager, comme bon vous semble. Mais voilà. Très sympa. C'est super lumineux, c'est vraiment agréable. Allez, on continue la visite. Et on va passer partie chambre. Hop. On a un premier niveau ici. On va commencer. Ah, malheureusement, je ne vais pas avoir plus d'éclairage que ça, mais la salle de bain est très belle. Vous avez une belle baignoire, hein, aussi qui est carrelée juste ici. Vous avez un meuble double vasque. Avec pas mal de rangements. Ça, c'est très pratique. Vous avez également emplacement machine. Et un grand cumulus. On a une première chambre qui se trouve ici. Vous pouvez facilement mettre un lit double. Voilà. Je n'ai pas parlé des fenêtres, mais on est sur du PVC double vitrage. Hein. Vous avez vu un peu l'épaisseur. C'est idéal pour l'isolation phonique et thermique. On a également un toilette qui est séparé de la salle de bain. Ça, c'est vraiment pratique.
Une deuxième chambre qui est juste ici, un peu plus grande que l'autre. Alors légèrement, déjà l'autre était d'une taille plutôt correcte et celle-ci aussi. Voilà. Ensuite, toujours pas fini, vous avez donc le palier hein, avec une fenêtre pour avoir encore de la lumière naturelle qui donne sur l'extérieur. Donc moi, tout à l'heure, je me trouvais juste ici. Hein. Mais du coup, c'est dégagé, donc vous allez avoir pas mal de lumière. Allez, le dernier étage. On va retrouver, eh bien, un peu de pente, forcément, parce qu'on est sous toit. Mais on va avoir vraiment, vraiment une très belle pièce. Comme vous voyez ici, on a vraiment une superbe pièce. Vous avez énormément de place. Vous pouvez faire votre chambre parentale, pourquoi pas, sans problème. C'est dommage que je peux pas vous... On n'ait pas l'électricité, mais il y a pas mal de spots aussi pour avoir pas mal d'effets lumineux, très beau. On a du coup des Velux hein, juste ici. En tout cas, si cet appartement vous plaît, eh bien n'hésitez pas à déposer votre dossier sur notre site internet. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.